Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez sûrement que c'est une vidéo que j'ai déjà faite mais que j'ai supprimée parce qu'elle était de trop mauvaise qualité. C'était flou, le focus était horrible. J'ai eu pas mal de retours là-dessus d'ailleurs, en particulier celui d'un ami sur Facebook qui... 2h30, ouais, exactement 2h30 parce que j'ai sorti ma vidéo à 16h, à 18h30 il m'a envoyé un message, il m'a dit « Mec, est-ce que t'as regardé ta vidéo ?» Bon, je savais de quoi il parlait parce que je trouvais aussi que la qualité était mauvaise. Je dis la vérité, j'avais juste trop la flemme d'en refaire une. Ça m'avait pris quand même pas mal de temps pour trouver les photos, pour faire des commentaires dessus. Donc bon, j'ai été un peu flemmard, j'ai pas voulu la refaire. Mais bon, aujourd'hui je la refais. C'est encore comme la dernière fois une vidéo un peu particulière parce que je vais pas montrer de tenue. Je vais juste vous parler des règles de la mode que je ne comprends pas. Comme je m'efforce à le répéter depuis le début, la mode c'est pas vraiment mon truc. Quand je dis que c'est pas vraiment mon truc, c'est que je vais pas essayer de suivre les derniers mouvements de la mode. Bien évidemment je m'en inspire quand il y a quelque chose qui me plaît, mais c'est pas quelque chose, je vais pas me dire je vais porter ça, ah non je vais pas porter ça parce que c'est pas la mode, ou je vais porter ça absolument parce que c'est la mode. C'est pas du tout mon truc. Remarque, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, je l'avais dit d'entrée dans ma première vidéo. Par exemple, j'ai appris récemment que c'était une dernière tendance de porter des chaussettes avec des sandales. C'est quelque chose que des gens apprécient, qu'apparemment que ça a été un moment à la mode. Alors je l'ai appris récemment parce que moi je suis au courant de rien dans ma vie. Moi c'est quelque chose que je ne valide pas du tout, j'aime pas du tout. Que ceux qui aiment ne se vexent pas. Je sais pas vraiment pourquoi tu porterais ça. Je trouve que ça déstructure la silhouette, ça allonge les tibias, ça allonge les pieds, enfin c'est assez compliqué à dire, mais c'est pas du tout mon truc. Ensuite en ce qui concerne la règle des trois couleurs, alors comme j'arrête pas de le dire, moi j'adore la couleur, j'en mets tout le temps. J'assemble toutes les couleurs, j'essaie d'assembler le maximum de couleurs parce que j'essaie de tester justement pour voir si après ça va, je continue, si ça va pas, j'arrête. C'est le principe de tester, hein, on se trompe pour avancer. Donc là sur les 4 looks que je vais vous montrer, c'est des looks que j'aime vraiment beaucoup. Et pourtant ils ont vraiment pas mal de couleurs. Le premier look, il y a 3 couleurs, il y a du bleu, du gris, du beige. Pour moi le secret pour réussir à combiner correctement des couleurs, si on n'est pas trop sûr au départ, c'est de rajouter avec parcimonie quelques touches de blanc ou de noir. Le blanc ça égale la tenue et le noir c'est pour quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus neutre. Là dans la première tenue vous voyez le mec a mis du blanc au niveau des chaussures et au niveau de la marinière. Donc le bleu, le gris et le beige ça se suit très bien ensemble. Donc celui-là je valide. Ensuite pour le deuxième look le gars a pris un pull orange avec une chemise blanche en dessous et un trench gris avec un jean bleu. Vous verrez, je l'aurais pas forcément mis mais l'association des couleurs à savoir le orange et le gris je trouve que ça fonctionne très bien. En plus, je trouve que ça rend encore mieux parce que ressortir les manches de son pull, de son trench. Ça archi stylé. Le jean bleu, j'aurais peut-être pas pris cette couleur parce que je trouve que la couleur du bleu marine est assez difficile à associer. Je trouve ça un peu fade. Moi, j'essaie de pas porter de jean bleu. Mais je trouve que c'est un ensemble plutôt réussi parce que, encore une fois, une petite touche de blanc au niveau de la chemise. Le col est vraiment essentiel. Je pense pas que ça aurait aussi bien rendu s'il n'y avait pas eu le col blanc. Donc, encore une fois, je valide. Pour la troisième tenue, c'est une tenue un peu plus osée. Il y a beaucoup plus de couleurs, notamment au niveau de la chemise à carreaux. Qui est associé avec un chino orange. J'ai jamais osé porter de chino orange jusqu'à présent. Je crois que ça va rester comme ça parce que je sais pas trop comment l'associer. Mais là je trouve que ça marche très très bien. Notamment parce qu'il y a un rappel de couleur entre le chino orange et les rayures de son écharpe. Le caban bleu marine, bon c'est quelque chose qui va à peu près avec tout. Je vois pas pour le coup le rapport avec les chaussures. Mais je trouve pas que ça choque, je trouve ça plutôt beau. Peut-être qu'il a cherché à faire un camailleux de orange avec les chaussures marron. Donc je valide. Et enfin pour la dernière tenue, on a encore une fois une marinière bleue et blanche. Un chino orange et des chaussures, je dirais bordeaux. La qualité de l'image n'est pas vraiment top, mais je dirais bordeaux. Le bleu et le orange, je trouve que ça fonctionne très bien, même si ce serait plus une tenue pour des saisons chaudes. Le bordeaux et le orange, c'est pas mal, c'est osé. Et bon, bien sûr, je ne veux pas avoir pas des couleurs flashy, mais bon, moi j'adore les couleurs, donc ça me plaît. Je trouve que cette règle des trois couleurs est juste à abolir. N'importe quoi. On n'est pas trop certain que ça rentre bien. Je veux essayer de mettre une couleur forte. Avec des couleurs plutôt simples. Je vous avais montré ça dans une vidéo où je vous montrais mes tenues qu'elle a avec mes bombers légers. Ça vous voyez pas dans cette tenue là. J'ai mis un t-shirt jaune avec le reste de la tenue qui est plutôt sobre. Donc c'est plus facile à associer ça en mieux. La deuxième règle avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est mettre une ceinture de la même couleur que ses chaussures. Bon, ok, les looks que je vous montre sont relativement similaires. Comme vous pouvez le voir, le modèle a des chaussures blanches avec un polo blanc, donc il y a un rappel de couleur, et pourtant la ceinture est noire. C'est la seule touche de noir, mais je trouve que ça rend très bien parce qu'il y a eu un rappel justement de couleur entre les chaussures et le haut de la tenue. La couleur du bas n'a pas forcément d'importance là-dessus. Donc c'est un look aussi que je valide. Pour l'autre tenue, il a décidé cette fois de faire un rappel entre les chaussures et le bas. Donc les chaussures et le bas sont tous les deux blancs, et la chemise est bleu clair.
Donc on reste quand même sur des tons pastels. Le fait que ce soit seulement la ceinture qui soit de couleur sombre, je trouve que ça apporte quelque chose, un peu plus de peps. En général, c'est les couleurs claires qui apportent du peps. Mais là, comme tout le reste de la tenue est pastel, le fait qu'il n'y ait qu'une seule couleur sombre, c'est ça qui donne le peps à la tenue. La tenue est donc, à mon goût, plus dynamique. Donc je valide aussi. De toute façon, honnêtement, si tu veux paraître bien habillé, il y a d'autres soucis qu'à d'accorder la couleur de ta ceinture avec tes chaussures. S'il te plaît. La troisième et dernière règle, c'est la règle qui consiste à ne pas mettre de chaussettes blanches. Ça, je trouve juste ça triste. Chaussettes blanches, je vois pas en quoi ça gêne. Ok, par exemple, si vous avez un bas noir et des chaussures noires. Si vous mettez des chaussettes blanches, et genre par exemple, si vous vous asseyez, vous voyez, si vous vous asseyez quelque part, là on peut voir la démarcation, on peut voir la différence entre les chaussettes blanches, les chaussures noires et le bas noir. Donc ça peut rendre pas trop bien. Si vous avez des chaussures blanches, des chaussettes blanches et un bas qui est par exemple avec un revers, donc un peu plus haut, on verra vos chevilles. Si vous mettez des chaussettes blanches avec les chaussures blanches qui sont bien propres en bas, je vois pas où est le problème. Ça sera perçu comme une continuation de votre chaussure, qui doit être bien blanche évidemment, ça doit être propre. Maintenant c'est carrément la base de ne pas mettre de chaussettes blanches, c'est considéré comme un crime s'il vous plaît. Évidemment faut rester cohérent un minimum. Un bas noir, des chaussures noires, des chaussettes blanches, ça fait pas. Bon, en l'occurrence moi je vous avais montré une tenue avec un short blanc et des chaussures blanches. Bon en l'occurrence moi j'avais des chaussettes invisibles donc ça va, mais si vous en avez pas, vous allez pas mettre des chaussettes noires. Arrêtez. Sauf pour respecter la règle des chaussettes blanches. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aussi des règles de la mode que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire, parce que je suis sûr que je suis pas le seul, ça pourra bien rire de les voir. Ah oui, aussi, créez un profil Ask pour éventuellement répondre à des questions si vous en avez, parce que je compte faire une vidéo Ask pour répondre aux questions éventuelles. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon profil Ask et me poser des questions. Si j'aurai environ une dizaine, une vingtaine de questions, et ben, je ferai une vidéo là-dessus. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchoussa! Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be